J'ai pas vu que le vide était si proche. C'est ça, en fait c'est un peu compliqué, mais Destiny c'est un peu l'arc entre la lumière et les ténèbres. Ouais, c'est un peu cliché, mais en vrai ça marche bien dans le jeu, le lore est assez bien posé pour que ça marche plutôt bien. Et lui en fait c'est le gros ennemi de ce que nous on est, donc les gardiens. Et nous en fait on est un peu les enfants de la lumière et du voyageur. Je sais pas si tu le vois, le voyageur là dans ta cinématique, c'est une espèce de grosse boule blanche. Et en fait on sait pas trop d'où il vient, à quoi il sert, mais on sait qu'il nous a donné un espèce de pouvoir d'immortalité. Et nous en fait on est les défenseurs du voyageur. Et nous du coup au fur et à mesure du jeu, donc le pitch de Destiny 1 par exemple, c'était reprendre un peu l'ascendant sur notre système solaire et éliminer les races aliens qui étaient une menace pour nous. Et au fur et à mesure, il y a une plus grosse menace qui est arrivée. Et on s'est même allié avec certains ennemis de l'époque, etc. Et ça donne l'extension qu'on a aujourd'hui, du coup, Lightfall. On est en plein dedans, en fait. Vas-y, bah, ajoute info que je crois que je parle dans le jeu, non? Allô? Là, c'est quoi l'objectif? Alors du coup, ça s'appelle Premier Contact en fait. Il va falloir qu'on aille du coup, entre guillemets, tabasser la menace qui menace Neptune. Neptune qui est en fait une nouvelle destination. C'est là où le gros méchant que t'as vu, la ficelle Oman, va essayer d'aller pour essayer de... Comment t'expliquer? C'est un peu... Si t'as pas suivi le lore, c'est un peu complexe. Mais en gros, ouais, c'est là où il veut nous tabasser. C'est un peu la nouvelle planète qui était un peu cachée. Voilà, où il y avait une race d'humanoïdes qui vit là-bas, qui ont été plus ou moins en paix. Ils sont menacés et nous, on va à leur rescousse. Voilà, ou allons un peu comme ça. C'est un peu plus complexe, mais en gros, c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai vu le jeu, il est cross-platform. Ouais, oui. Ouais, cross-save aussi. C'est-à-dire que tu peux jouer sur PS5 et recommencer sur PC le soir, par exemple. Et pour la Xbox aussi, genre? Pareil, là, on peut jouer avec des joueurs qui sont sur Xbox, sur PlayStation ou PC. En vrai, ça c'est trop bien. Le cross save, c'est vraiment le mieux. Cross save, cross platform, c'est assez cool, ouais. Il nous faut une carte d'accès pour l'ouvrir. Tu tapes du combien toi, Mika? Moi, j'ai une mitraillette qui met du 900 dans la tête à chaque coup. Waouh! Regarde, t'as les finish maintenant aussi. Hop, tu vois, tu peux le finir. Hop. Jure! Ouais. Ah, c'est bon, on a la clé du monstre. Ouais, c'est pas ça à mon époque. Hein. Il y a des armes qui enflamment, c'est ça? Il y a des armes qui gèlent, c'est ça que tu veux dire? C'est ça en fait, t'as différentes brûlures. Je sais pas si t'as fait gaffe, mais il y a certains ennemis qui ont des espèces d'aura de lumière autour d'eux, de ces joueurs orange, bleu. Ouais. En fait, c'est un type de brûlure auquel ils sont sensibles. Si tu utilises une arme qui correspond à leur brûlure, tu vas faire plus de dégâts, etc. Tu vois. Donc, ça, c'est un nouvel ennemi. Je sais pas si vous voyez les zones qui brillent un peu plus, genre ses épaules et son torse, c'est ses points faibles en fait. Oh, ok, c'est comme un giga boss. C'est un peu un mini boss, vous verrez. Écoutez, je lui mets du 280 dégâts. Je sais pas si vous voyez, parfois c'est en. Ah oui, faut lui toucher le bide, faut lui toucher le bide. C'est ça, et quand t'es en dégâts rouges en fait, ça veut dire que tu tires sur une zone non critique, donc tu lui fais beaucoup moins de dégâts. Ah ouais? C'est ça. Ah, il m'a attrapé! Mais ouais, j'ai ma peur en finishing. Donc là. Y'a des nouvelles classes ou pas? Okay. Non, y'a pas de nouvelles classes en fait, mais y'a des nouvelles doctrines. Une grenade? Toi, depuis que t'as connu le jeu, t'as deux nouvelles doctrines. Donc la stase, les fameux tirs en glaçon, et le fil obscur que je pourrais vous montrer après, qui est apparu justement avec Lightfall. Je vous le montrerai juste après, je prendrai la classe de fil obscur. Vas-y, chaud. Vous l'aurez aussi un petit peu plus tard, mais. Tiens, je sais pas si tu vois, bon, dans le fond, y'a un mec qui avait. Ouais, il avait un bouclier bleu. J'ai mon arme, le snipe, c'est une dinguerie. Ah, je vois plus rien, ma flash! Flash bang! Ah Mika, t'es sûr que t'as joué au jeu? Le jeu a vachement changé depuis qu'il a joué. Mais tu me bloques, merde! C'est vrai, pardon, je regardais mon chat, c'est de ma faute. Non mais ça me dégoûte, j'allais mourir. Donc là je pense c'est quoi? C'est il y a des vagues de monstres et après il va y avoir un gigaboss, non? C'est ça. Je le contourne. Hop, dans son petit réacteur, vous dans le piac. Le finish si vous voulez. Hop. Ah, tu nous gâches notre plaisir. Mika, il peut le faire. Ah ouais, attends. Ouais, c'est lui qui m'a finish. Du coup, c'est toi, je le super. Ah merde. Ah, gros noobard. Tu vois le stuff? C'est juste une question. C'est des engrammes qui tombent au sol, je sais pas si t'en as eu. Ouh, ah bah là, y'en a. Waouh. Y'a des coffres, y'a des coffres, Nikov. Y'a des coffres, Nikov. T'as compris? Ouais, je l'ai. Ok, j'ai looté plein de trucs, j'ai looté plein de trucs. J'ai pas vu que le vide était si proche. Il est immunisé. Après t'as des bots spéciales qui veulent. Vous avez un système un peu à la Borderlands. Vous savez, de rareté d'armes et d'équipements, et vous avez de l'exotique, etc. Les exotiques vous permettent en règle générale d'augmenter soit vos supers ou vos doctrines, vos grenades, etc. Donc Mika, toi par exemple, t'as des bots qui te permettent de tirer 3 flèches au lieu de 2.
Ah ouais? En gros, ton stuff améliore tes armes en gros. Ah en gros, c'est ça. Mais il a explosé sur ma tronche! Moi aussi! C'est parce que j'ai tiré dans son réacteur. Vous voyez, lui, il avait un truc bleu autour de lui. Oh, regardez. Plus de problème, venez dans ce que j'ai vu, ça vous donne de la vie en permanence. Ah ouais? Ouais, ça augmente de la vie, ça vous donne. J'ai pas peur! Ok, je suis là en support, vas-y, je te cover, recharge! Vas-y, go, lui en finit! Je vous laisse gérer ce mob, moi je vais de l'autre côté. Ah ouais, il gère, Mika! Je le gère! Ah non, je suis mort de l'explosion, Mika aussi! Vous pouvez le finir si vous voulez, il est finishable, je sais pas ce que vous voulez. On a pas besoin de toi, de toute façon. Non, vas-y! De toute façon, on a pas la touche. Par contre, j'ai ça, j'ai bien envie de tester. C'est quoi ce que c'est un truc? Ah. Je crois que c'est un giga bazooka. Tire, Nico! Wow, mais attendez, c'est bon, j'ai trouvé mon arme, les gars. Ah, mais il me reste plus qu'une balle. Oh, j'avais une arme de ouf. Si tu vois des espèces de briques violettes au sol, c'est des munitions pour ton bazooka, du coup. Y'a plus de lumière. Viens couper la lumière. Hop, des coffres, du loot. Wouah, tout ce qu'il y a. Je suis dans sa moulin. Ouais, et moi aussi, rien. Combat d'escrime. Mon dieu. Putain. Viens, on va se battre, chevalier. Et non, il faut des munitions lourdes. J'ai pas peur. J'ai peur. N'y va pas avec l'épée, c'est pas fou. Venez là où je suis si vous voulez. Hop, je mets un truc. Vous avez des dégâts augmentés comme vous pliez. Mika, hésite pas à tirer ton super aussi sur les ennemis. Ok, t'es juste mon. BAM. Voilà. BAM. C'est ça qu'on veut voir. Faites tout là. Mais là, du coup, les ennemis sont affaiblis. Tu mets trop de dégâts avec l'arc. Bah ouais, c'est un exotique même, donc il fait mal quoi. C'est de la triche, non? Il est boosted. Un Mika mineur de jeu, 400 de dégâts par val. je mets 730 par headshot. 730? Tu sais que je mets 5000 par headshot et là, des fois j'ai mis 17000, je sais pas comment. Non, mais de toute façon, j'en fais pas, j'ai avoir du bon stuff. Oh, regarde, je peux mettre des 3-6 sur les monstres et tout. Yaaaaaah! Là, je fais une étude sociologique. Attends, j'arrive! Vas-y, tu le J'ai vu deux mecs déchirer un autre avec. Non, mais Mika, c'est ça la stratégie. Hey, Mika, faut qu'on y aille ensemble, Mika, vraiment. Vas-y, suis-moi. Ah non, c'est derrière du coup. Ah. Et ça en est où là dans l'histoire du jeu du coup? C'est la fin, bien? C'est la fin de. Ouais, on arrive sur le dernier tiers final, ouais. Normalement, il reste un seul DLC et on aura fini l'arc Lumière Ténèbres qui dure depuis 9 ans maintenant. Mais ça veut dire que c'est celui où j'ai commencé. Même avant encore, toi t'as commencé sur Destiny 2, mais ça a commencé avec Destiny 1 du coup. Ah ouais, donc c'est vraiment giga bien. Ils ont prévu une autre histoire. Oh, je pense que oui, évidemment. Ça, prenez ça, c'est la nouvelle doctrine du coup qui s'appelle le fil obscur. Et là en fait, elle va remonter super rapidement. Vous utilisez votre super tout le temps, vos grenades tout le temps. Et vos grenades en fait, c'est des grappes. Il y a un timer avec ça? Ouais. Vous pouvez l'utiliser. Non, t'as pas de timer, juste. Grenade, c'est un grappin. Wouhou! Wouah! Non! Quoi? Oh non! T'as fait un AVC. Je suis un malaise là. Je suis à 2 à l'heure. Ouais, les kebabs sur Népal. Merde, Monica, mon dieu, bombardé! Laissez-nous tranquille! C'est bon, on est safe. C'est quoi les monstres? On dirait des sortes de grands dinosaures. C'est un peu ça, donc ils s'appellent les cabales. Après, ce serait vachement long de t'expliquer leur lore. Ouah, c'est un gardien lui. C'est des brutes. Non, c'est le peuple de Neptune qu'on est venu aider en fait. C'est pas les mêmes communes. Ils ont besoin d'aide, t'as vu comment il est musclé? À quel moment il a besoin d'aide? C'est nous qui nous aident, nous en fait. Donc là, on va arriver sur Neptune, et là, ça va être un peu le côté hub. C'est là où tu peux prendre tes contrats, faire de la patrouille, te balader sur la planète. Donc là, t'arrives un peu dans le côté MMO. Donc, du coup, je comprends mieux pourquoi t'as pas l'arc. Donc Nikoff là, mais toi, tu l'as pas. Bon, bah voilà, Lightfall, Eclipse, si vous voulez le faire, et ben. Vous avez vu la première mission, ça vous a montré le fil obscur, ça vous a montré. En vrai, elle était déjà bien la première mission. Évidemment, si vous voulez en savoir plus sur Eclipse, vous avez nos liens traqués à chacun, évidemment. Non, on est dans les égouts, les gars, je vous explique. L'objectif, sortir vivant d'ici. Donc là, voilà, en fait, on est dans un ancien DLC. En fait, un assaut, si tu veux, c'est encore une fois une instance scénarisée. Donc, ça, tu peux choper du loot un peu exclusif à chaque mission. Et tu vas, en fait, on avance, c'est scénarisé et t'as juste avancé à tout péter. Quoi. Ah, ça? Putain.
C'est bon, j'ai tué tous les mobs pour vous, vous pouvez avancer. C'est vraiment bon, faut un tout faire ici. T'as dit ça, on aurait dit que tu lâchais ta meilleure taf sur une clope. Vous pouvez y aller, les gars. Oh putain, vas-y. Non. Oh, j'ai encore un scooter. Un scooter. Là, je voulais lui voler. Ah putain. Oh, je suis en T-Max, les gars. Oh, j'ai le de l'espace. Mais y'a trop de trains. Y'a trop de trains, je vais me faire écraser. Eh mais les trains c'est... Mais les trains c'est, sont plus dangereux que les ennemis, ouais. Merde, j'ai tiré dans le fiac de Mika. 19 000. T'inquiète, il encaisse lui. 19 000. Ça, il a pas bronché quoi. T'en encaisse un bol. Non, je trouve pas très beau. C'est quoi ça? Oh, le canon brûleur. Deuxième. Non. Oh, t'as vu ça comment? T'es ça comment? Mal le gros canon brûlé. Moi aussi je veux ça, comment il a fait? Il y en a qu'un sur la map, tu peux pas en choper d'autres. Non, vas-y. Après, il peut le lâcher. Hein. C'est une arme, peut le passer. Mika. Ouais, t'inquiète, je le lâche, regarde. J'ai 8 balles en plus. Non, c'est trop. Là, je vais désamorcer les mines. Si je là, il m'est folle, hein. Là, il m'est folle, sérieux, ça va corps à corps. Ouais, je t'explose. La grand mire. Oh merde, il y avait personne là. Oh. Arrêtez de faire la bagarre, c'est notre bagarre. Ah non, mais c'est moi où on se bat contre deux espèces différentes là. Ouais, et du coup c'est ils ça. Se battent aussi. Aïe. Oh putain. Mais c'est quoi ce neneuil là? C'est le boss, mais les 4. J'ai un petit lance-grenade des familles. Il y aura même pas le temps d'invoquer les autres mobs, je pense. Waouh. Normalement après il y a plein d'autres mobs qui arrivent sur la map. On lui met hein, ce qu'on lui met le frère hein. T'as besoin d'aide pour faire des dégâts un peu Mika? Oh non du coup ils ont... Oh non il a disparu du coup. Là vous avez un coffre avec des récompenses qui peuvent être... Den. Et une nouveauté qui est arrivée avec Lightfall que vous pouvez faire si vous laissez appuyer sur tabulation, vous pouvez faire les éloges. C'est-à-dire que vous pouvez remercier les gens qui sont avec vous en fait en leur donnant des... Merci Mikalo. On a fini le truc? Ouais. Vas-y go PVP là que je vous montre un peu le... Bah c'est parfait, les 30 dernières demi-heures c'est exactement ce qu'on voulait. Ah, ils ont mis les deux noobies dans le fond, c'est bien. Wouah, ils ont des skins de fou. Archi pas de moi, c'est un. Ils ont des skins de fou, les mecs en face. Donc là, c'est du 3 contre 3. Non, c'est du 6 contre 6. Ça, c'était notre équipe en fait. Les 6 que t'as vu, ça. Ah. Je comprends rien. Et c'est quoi la strat? Tu pètes tout. Casser la gueule des gens. Là, clairement, c'est que péter la gueule. Généralement, ça va se friter vers là où je suis, tu vois. Plus ou moins. Là, sur nous, au middle, ouais, y'en a un. Il est low HP. Mais tu dis 65. Ah, ils sont derrière moi. Ouah, il m'a tué quoi? Généralement, tu vois, ça va se friter surtout au middle, mais ouais, de temps en temps, un peu sur les côtés. C'est une petite map. Gauche, là, sur une petite map. Je me suis fait cuter, oh, les gars. Je crois que j'en ai tué un. Sur le côté droit, là, ça se frite pas mal, mais il y a un mec dans les escaliers qui... Putain, mais Mika, qu'est-ce qu'il nous fait, Mika? Le dernier lot, le dernier lot. One shot. Oh là là. Eh, y'en a, ils ont des armes de fou en face hein. Ok. Ah. Ah. Aïe. Non, ouais, j'avoue, y'en a, ils ont des armes. Ah, je vous avais dit. Hein. Ouais. C'est des mecs forts en face. Je sais pas, moi je les connais pas. Oh. Non, c'est trop par contre leurs armes. Et j'ai à peine le temps de en fait, tirer dessus. Mais j'ai pas de balles sur mes snipes en fait. Ouais, faut que tu. Soit quand tu meurs, tu vas en récupérer deux. Soit parfois il y en a qui tombent au sol, c'est des munitions vertes. Je sais pas si t'en as déjà vu parfois. Mais... Quand tu butes des ennemis, en fait, parfois ils en laissent tomber. Ganon Rose là, il a une arme, frère. Rafale, okay. Il te découpe. Attends, je vais prendre mon arme à rafale pour voir si je fais pareil. Prends le pistolet, moi. Ah, mes armes ont pas l'air fou. Du Shane. Ah ouais, mes pas armes mal, ont pas l'air folle pour le moment. Je vais tester le petit pistolet, on va voir. Ouais, n'hésite pas à tester des trucs. Hein. Ouais, bah là, je teste des armes, tranquille. Ah non, bah non, moi la mienne elle est pas aussi bien. Non, quand je suis en l'air, je peux pas dash. On a perdu. Ouais, oh on l'a là perdu. Là, tu vas voir tes stats du coup. J'ai même pas envie de voir les mais stats. Même moi, hein. j'étais dégueulasse. Hein. J'étais vraiment... Ah, c'est vrai qu'on peut. N'hésitez pas à faire des éloges. Vas-y, moi j'éloge. Okay, vas-y, hein, moi. Hein. Ah merde, j'ai fait Amika mais pas Nikov. J'espère que cette petite session vous aura plu. Oh, le PVP, c'était lourd.